Ça te plaît? C'est ravissant. N'est-ce pas, hein? On se promène un peu ou on déjeune tout de suite? Attention. Oh, moi, j'ai une faim de loup. Ça m'étonne pas de toi. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? C'est la campagne. Ah, ce qui fait bon. Oh. J'ai envie de cueillir des fleurs. Ah, il y a de quoi faire tout un bouquet, là. Te gêne pas? Je me sens bien, moi. Eh ben, moi, chérie, j'irai mieux quand j'aurai mangé. Toi, avec ton appétit. Oui, tu es pire qu'un ogre. Alors, tu veux déjeuner tout de suite? Bah, à moins que tu veuilles absolument te promener. Sinon, moi, j'aimerais mieux manger. Chérie, tu ne penses qu'à manger. Allez, viens m'aider à sortir les paniers. Je suis bien garée, là? Qu'est-ce que ça peut te faire? On n'est pas à Paris. Oui, c'est vrai. Le panier. Le voilà. Fais attention au gâteau, hein? Oui. Le reste, je le prends, va. Bon. Allez, suivez le guide, madame. Ah, ici. Et crois-tu qu'on va être bien, là? J'espère qu'il n'y aura pas trop de fourmis. Non, non, allez, allons-y. Ah. Si t'as pas les mains pleines de cambouis, prends donc le gâteau. Ah, dis donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu de veine tout à l'heure avec notre panne. Je t'avais dit d'emmener la voiture à la révision. T'as pas voulu m'écouter. Oh, bah remarque que ça s'est bien passé. Mais oui, mon chéri, oui. On va se consoler avec un bon pique-nique, voilà. Allez. La salade, des pommes... Ah, si tu nous mettais de la musique. Déjeuner en musique, voilà madame. Là. Attends, regarde, j'ai là tout ce qu'il faut, oui. Jambon, salade, fromage... Non, 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 il manque quelque chose. Ah oui. Quoi? Les fleurs. Ah, allez, viens, je t'emmène, va. C'est pas vrai, mais tu veux te sauver, toi? Vas-y te sauver! Oh, dis donc! Allons! Allons, va-t'en! Vas-y, reviens! Allez, non. Christophe! Christophe! Réponds, Christophe! 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 Tu croyais qu'il nous suivait? J'ai pas fait attention. C'est pour ton fils de s'occuper des enfants. Je croyais que tu savais où il était. Paul, qu'est-ce qu'on va faire si on le trouve pas? Je te dis qu'il se cache quelque part. On va continuer à l'appeler. Allez, viens. Allez. Christophe, Christophe. Où est-ce qu'il peut être, dit? Je sais pas. Christophe, Christophe. Je te dis qu'il se cache quelque part. T'as qu'à m'aider à l'appeler. Christophe. Tu vois bien qu'il ne se cache pas. Il est perdu. Christophe, il faut répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut rentrer à la maison. Je n'oserais jamais rentrer à la maison si Christophe n'est pas avec nous. Il faut rentrer et tout raconter. Ils doivent être en train de déjeuner à la maison. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, viens. Eh bien, je t'assure que quand il va rentrer, ça va barder, hein? Ça doit être le petit qui les a retardés. Il ne marche pas vite. Je leur avais interdit de l'emmener. Tout de même, il tarde un peu trop. Et si j'allais les chercher? Ça y est, lève-la. Eh ben, c'est pas trop tôt. Mais où est Christophe? On l'a perdu, on le trouve plus. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? On lui avait dit de nous attendre parce qu'il marchait pas assez vite pour nous suivre. Et quand on est venu chercher, il était plus là. Oh mon Dieu! Où l'avez-vous laissé? Vers les carrières? Vers les temps? Non! Christophe! Et
Bah dis donc, t'en as mis du temps pour me trouver. Tu sais pas où sont mon frère et ma sœur? C'est bien embêtant, parce que toi, tu pourras jamais me sortir de là. J'ai faim, tu sais. Dis, tu veux pas aller leur dire que je suis là? Attends, tu sais même pas où j'habite. C'était là où on l'a laissé. Et on est parti par là. On se demande ce que vous alliez faire. Chercher des champignons. Oh. Oh, regardez. C'est malin comme le diable, ces petites bêtes-là. Seulement, faudrait savoir ce que celui-là veut dire. Oui, mais pour le moment, c'est de Christophe qu'il s'agit. C'est pas d'un cheval égaré. Eh ben, si on suivait le cheval, peut-être bien qu'on retrouverait Christophe. Oui, ben allez-y si vous voulez, grand-père. Nous, on a autre chose à faire. Allez, vous, allez regarder de ce côté. Toi, viens. Eh ben, ma foi, moi, je tente ma chance. C'est pas trop tôt, dis donc. Ah, mon petit, t'as pas de mal, dis. Non, je vais bien. C'est le cheval qui t'a amené ici? Oui, ah, ça, c'est le plus malin des petits chevaux. Et hein. Toi, t'es le plus malin des grands-pères, toi. Ah, t'es bien gentil. Il faut qu'on me remonte, j'ai faim. Ah, je voudrais bien, mais je me demande comment. Eh ben, écoute, bouge pas. Attends-moi là, hein. Je vais chercher les autres. Bouge pas, bouge pas. Ça y est, je l'ai retrouvé. Oh, Christophe! Christophe! Je l'ai retrouvé. Paul, viens, c'est là. Alors, où il est? Eh ben, il est là. Eh ben, j'avais raison, hein. C'est le petit cheval qui m'a conduit ici. Christophe! Il est là-dedans, et il va bien, et il va bien. Christophe, t'es pas blessé? Non, non, j'ai mal nulle part. Non, il s'est pas fait de mal, mais il faut le sortir de là. Passe-moi ta ceinture, tiens. Ma ceinture? Eh oui, mais oui. Mais pourquoi faire? Mais parce qu'on va le tirer d'ici. Il va la prendre dans ses mains, on tirera du haut. C'est vrai, tiens. Attends, Christophe. Voilà. Là. Allez. Ah, ah, tiens, tu vas prendre Allez. Ça. Voilà, accroche-toi. Attrape-la bien, là. Serre bien, hein. Tiens bien, surtout. On peut y aller? Là. Allez. Allez. Là, doucement. Ah, tiens-toi bien. Là. Là, ça y est. On ne le lâchera plus maintenant. Ah, voilà. Ça y est, là. Voilà. Allez, on va te porter à ta mère à présent. Oh, mon petit. Allez, vous autres. Ah. Eh bien, tu sais, là. C'est Polly, c'est le cheval de Pascal. Mais qui est ce Pascal? Mais si tu sais bien, il habite la ferme. Je peux monter dessus? Ben oui, s'il veut. Allez, tiens, monte-le. On va l'amener à la maison en tout cas. Hop là, la mère qui me revient après ça. Tiens-toi bien, hein. Allez, on peut y aller? En route. On va le garder à la maison? C'est un beau cheval, ça. Hein? On va l'inviter à dîner, il a bien gagné ça. Hein? Attention, on va le garder à la maison. Ah, c'est mignon. Tu vois? Il est pas lissant. Il
il en a de l'appétit. Bon voyage, Polly, reviens nous voir avec Pascal. Thank you.